Et salut à tous, nouveau vlog. Alors on est dimanche, aujourd'hui on va aller en ville faire un petit tour, c'est les soldes, faire un peu de shopping. J'ai vu qu'il y avait un café qui avait ouvert, un genre de cat coffee, c'est-à-dire un café où on peut caresser des chats, jouer avec des chats, mais un peu plus particulier. Donc on va voir. Tout ça c'est aux alentours de Siam Square, Siam Paragon. Donc voilà, après-midi shopping et je vous mène avec moi. C'est parti. Comme d'hab, il fait 16 degrés, on se gèle les burnes. Donc là, direction Taokun, c'est là où il y a l'intersection entre le BTS, le MRT, tout ça. Il y en a pour 40 bahts à peu près, peut-être un peu moins. Ouais, dans les 40 bahts, ça fait 1 euro. Mais à partir de là, après, vous pouvez aller n'importe où. Bon, celui que je voulais aller, il a fermé définitivement. On en a trouvé un autre juste à côté. Donc, on est au Zoo Café sur Siam Square. C'est beaucoup plus petit. Il y a beaucoup moins d'animaux. Là, on monte à l'étage. On était obligé d'enlever les chaussures et d'acheter des chaussettes. Il y a un énorme raton laveur rouge juste à côté. Et ben voilà, on est dans le Zoo Coffee. Bon ben voilà, on est dans le Zoo Coffee. Donc le principe c'est un café avec des animaux. Donc là il y a un gros raton laveur et un renard. Il y a plusieurs chiens, plusieurs types de chiens. Commander à manger et à boire. Bon, les tarifs sont pas super énormément. Le café glacé c'est 120 bahts je crois, même prix qu'à Starbucks. Mais là donc vous pouvez jouer avec les animaux tout ça. Et donc là on va commander à manger pour pouvoir aller dans la salle avec le raton laveur et tout ça. Elle est bonne.
Et voilà, donc c'était le petit tour au Zoo Café, Coffee. Donc c'était pas du tout là qu'on avait prévu d'y aller. Je voulais vous amener à Kitties and Beer, mais c'est fermé définitivement. Donc lui, il a ouvert il y a 4 mois, je crois, donc pour profiter de l'aubaine. Et du coup, c'est beaucoup plus petit. C'était vachement sympa. J'en ai eu pour 500 bahts à peu près, un peu plus de 10 euros. J'ai pris. On va attendre que. Donc, je disais un peu plus de 10 euros pour un americano et un croque-monsieur avec des frites. Bon, c'est pas très taille, mais en fait, dans ce café, il n'y a pas de plat traditionnel. Donc il n'y a pas de conditions. Ouais, ils prennent 10% en plus pour le service. Donc ça, c'est à prévoir à la fin. Mais vu que c'est marqué nulle part, c'est la petite surprise. Mais il n'y a pas de. Vous payez rien en plus pour jouer avec les animaux ou quoi. Il y a juste la condition, c'est de commander à boire et à manger. Donc c'est pas super excessif. Et puis c'est sympa avec les animaux autour. Bon, il y en a qui vont être contre, qui vont dire ouais, leur place c'est dans la nature. Mais bon, voilà, ça va. C'est relaxant, on joue, on les caresse. Voilà, et ils n'ont pas l'air malheureux. Donc bon, là c'était bien cool. Donc là, on va retourner sur Siam Square et Siam Paragon. Et moi je vais faire un peu de shopping. Je sais pas si je continue le vlog encore ou pas. Je suis passé sur la toute petite caméra parce que j'ai plus de batterie sur la grosse. Et donc on va voir. Là je suis à Siam Square One. On va faire un petit tour. Il y a du monde, c'est dimanche. Je pense que je vais couper le vlog là parce que de toute façon c'est pas très intéressant pour vous. Je vais juste faire un peu de shopping. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.